Bonjour à tous et à toutes, c'est XPurple117, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo gameplay sur World of Tank. Donc je fais cette vidéo après avoir fait la vidéo sur World of Warplanes. Donc ces deux jeux sont évidemment faits par le même créateur, le même éditeur, développeur plutôt, qui est Wargaming.net. Alors ils ont prévu de sortir un troisième jeu qui est World of Warships, donc qui est le même gameplay mais avec des bateaux, des porte-avions, je sais pas. Je sais qu'il y aura des croiseurs, des destroyers, il y aura même des sous-marins, il me semble bien. Et donc voilà, franchement, c'est une entreprise de jeux vidéo qui prend de plus en plus de l'ampleur. On va se lancer directement dans la bataille. Alors, comme d'habitude, je pense que vous me connaissez plutôt bien maintenant. Moi, c'est Deutsch Qualität jusqu'au bout. Donc, on va prendre mon char Tigre, le Tiger, char allemand, donc Tier 7. Donc, si vous voulez savoir comment fonctionne à peu près ce genre de jeu, j'ai déjà fait, enfin j'ai expliqué rapidement sur la vidéo de World of Warplanes comment fonctionnait le jeu. Donc je vous invite à aller la voir. Je mettrai un lien dans la description. Et donc là, bah, c'est parti, hein, on va direct aller dans le vif du sujet. J'espère que je vais pas tomber contre des chars trop forts. Hein. Comme d'habitude, c'est le truc qui fait le plus chier. Donc non, là ça va, il n'y a que, enfin, en tout cas la grande majorité des chars sont du même niveau que moi, c'est-à-dire 7. Donc c'est plutôt pas mal. Donc sur ce jeu, comme nation, il y a les Français, les Américains, les Russes, les Anglais, les Allemands et les Chinois. Et ils vont bientôt sortir les Japonais, il me semble. Ils ont dit qu'ils allaient faire une mise à jour dans pas longtemps, peut-être un mois, ou peut-être plus ou moins, je sais pas. Je sais qu'il va y avoir des Japonais. Alors comme type de char, sur World of Tank, il y a les chars légers, les chars moyens, les chars lourds, les chasseurs de chars qui ont un peu pour rôle d'être un sniper, et l'artillerie. Donc c'est des canons automoteurs qui se mettent au fond de la map et qui tirent de loin. Voilà. Donc bah, ça c'est un char anglais, Churchill, très connu, qui sont assez blindés je crois. Ouais, franchement je suis content de mon char Tigre. C'est pas que j'ai souffert pour l'avoir, mais c'est qu'il est vraiment bien je trouve. Il a un bon canon, il est assez résistant, il a 1500 points de vie quand même pour un niveau 7, c'est pas mal. Il y a des niveaux 7 qui ont encore que 800 PV. Donc là, il y a un autre char Tigre. Je préfère pas trop foncer dans le tas, j'ai peur que je me prenne les premiers tirs. Oh, il y en a un là. Oui, c'est pas mal ça. Oula. Ah. Par contre, j'ai un petit peu une... Un tout petit peu, hein. J'ai quelques lags de connexion. Alors, il y a... World of Tank est un jeu très très stratégique. Il y a plusieurs positions à adopter pour essayer au maximum de faire rebondir les obus des ennemis. C'est-à-dire qu'il faut se mettre un peu de travers comme là. Comme ça les obus ils rebondissent un maximum, ça évite de se faire tuer tout simplement. Et enfin voilà, c'est vraiment complet ce jeu, il est complexe même. Il est complet mais il est surtout complexe. Il y a vraiment plein de stratégies différentes à adopter. Donc là il vient de casser ma chenille, donc elle va se réparer automatiquement au bout de quelques secondes. Cible verrouillée. Je les vois plus. Ou sinon je peux la réparer parce que j'ai acheté un kit de réparation mais j'ai pas envie d'utiliser pour ça. Chenille réparée, allons-y. Donc j'ai pas envie de perdre. Donc je vais faire de mon mieux. Je vais essayer de les prendre. Je vais essayer de les flanquer. Ah, il y a un char ici. T29. Des T29. On va la voir. Continue à tirer. Les chars lourds américains à partir du niveau 6 je crois. Donc lui c'est un 7. Ils ont une tourelle qui a un blindage incroyable, impossible de la pénétrer. Donc c'est pour ça que... Ah bah tiens, il est là. Oh là là, je sens mal. On les tient, les gars. Ah putain, il m'a touché mon moteur. Ils sont seulement touchés. Donc j'aurais besoin de... Allez, prochain coup, je le tue. Allez, bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas.
Non, il a rebondi, putain, c'est impossible. Oh merde, mais depuis tout à l'heure, je le touche, je lui fais moins 220 de dégâts, et là, au dernier moment, comme par hasard, le but qui allait l'achever. Et bah, il pénètre pas. Eh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, bah écoutez, bah... c'est la vie, hein. Donc voilà, ouais, regardez la grosse tourelle du char américain, le T-29. Donc c'est celui qui... C'est un char comme ça qui vient de me tuer. Donc, c'est juste un truc très très blindé, quoi. C'est incroyable. Alors maintenant, bah, je vais prendre un IS, un char russe. Très bien. Mais comme je viens de l'acheter, bah, il est pas full au niveau de ses équipements. J'ai encore le canon de base, qui n'est pas très bien. Mais bon, j'ai pas le choix. Pour pouvoir installer le gros canon, il faut que je change ma tourelle, parce que celle-là, elle est pas adaptée. Et il me manque encore de l'expérience pour la changer. Donc je vais en profiter, je vais jouer avec. Par contre, je vais me faire défoncer, parce que je suis niveau 7. Et il y a des niveaux 9. Ok, donc voilà. C'est exactement ce que je disais dans l'épisode sur World of Warplanes. Il mélange trop les tirs différents. Il s'est trop déséquilibré. Donc, ça va être une partie de merde, je le sens. Bon. Voilà un tir 9. Donc, pareil. Graphiquement, quand même, ce jeu, il est magnifique. Hein. Bon, ça vaut pas un Battlefield, ça c'est sûr. Ni un Crysis. Mais il a de quoi de combler vos plaisirs. Quand même. Peut-être pouvoir lui tirer dessus. Ah bah non, il s'est caché au dernier moment. Donc c'est un peu une map de campeur en fait, surtout que là on est tous alignés sur cette colline. Plutôt aller rejoindre les gars à droite pour les contourner. Parce que ici on va s'ennuyer. Mode cinématique. Je suis sûr si je me montre on va me canarder, c'est obligé. J'ai jamais de chance. Bah ça va. Donc il y a des chars quand même à la Seconde Guerre mondiale qui étaient vraiment très rapides. Bon, c'était des chars légers, ça c'est sûr. Il y avait des chasseurs de chars aussi. Mais il y a des chars, en tout cas dans le jeu, qui peuvent aller vers les 70 km/h, et c'est énorme quoi, pour un char de plusieurs tonnes. Ah voilà, je me fais tirer dessus, c'est génial. Je vais pas pouvoir riposter puisque je ne sais pas d'où ça vient. Ah, ça vient de là-bas. Qu'est-ce que c'est comme char? Oups, désolé. Ah putain, mais c'est pas vrai. Pourquoi je suis maudit comme ça? Voilà, partie de merde, puisque notre tier 9 s'est fait déglinguer comme une merde. Ah lui, il va me défoncer. On a perdu la cible. Oh, mais c'est pas vrai. Celui-là a ricoché. Et bien sûr. En plus, je suis bien dans l'eau, là. Ah bah cool, il est mort. Oh
Putain, ils sont pleins, là, si je me mange, je sens que je vais me faire défoncer. Pas grave, de toute façon, c'est une partie de merde. Ouais, voilà, allez, là. Allez, mais bien sûr, mais ouais, one-shot-moi, c'est ça. Oh là là. Ah, j'ai horreur de tomber contre des niveaux plus, là, putain. On peut pas jouer. Oh. Je vais prendre le VK36, donc c'est le char qui est juste avant le Tiger. Ah. Oh là, et voilà, regarde. Je suis niveau 6 et je tombe contre des niveaux 8. Ça, c'est le truc que je déteste. Voilà. Oh là là. Bon, je vais essayer de bien jouer. Je mange les chips. Donc oui, il y a trois sortes d'obus. Donc il y a les obus standards, qui sont standards. Hein. Les obus gold qu'on a soit en payant cher les crédits, ou soit avec de l'or. L'or on l'a par Allopass ou par carte de crédit. Et il y a les obus explosifs à haute température. Qui explose à la surface, donc ça pénètre pas vraiment, mais ça fait au moins un tout petit peu de dégâts. Mais... Franchement, c'est mieux de prendre les normaux. Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas repris ce char. Ils sont là. Oula. Il est à la maison. C'est quoi comme char? M6. Oh, ça va. Il est de mon niveau. Oula. Mais évidemment. Le gars il est de côté. J'ai une chance de le toucher de 100%, de pénétrer de 100%, mais je ne pénètre pas. Ah, ben voilà. Ils sont touchés. Oh là là, il fait mal. Moi aussi, mais bon. On l'a même pas éraflé. Oh, j'ai tiré sur le mur, putain. Bon, je vais rester là parce que là il va me one shot, enfin, il va me tuer si je bouge. Oh, je vais essayer quand même. Pas trop non. Peut-être que lui. Il est foutu. Ah, je l'ai eu. Grâce à lui, parce qu'il a tiré en même temps que moi, sauf que j'ai eu le dernier coup à quelques demi-secondes près. Alors, faut pas qu'on se fasse tirer dessus parce qu'on est en train de capturer le QG, parce que oui, le QG en fait il est là. Le but c'est qu'on spawn sans QG et il faut en capturer. Hein. Donc, hop, bon bah on a gagné. Oh, il a failli me toucher. Oh, il a failli me toucher encore. Ah bah voilà, on a gagné. Enfin. Pas trop tôt. Alors on va faire une dernière partie avec mon Tiger. Et après, on se dira adieu. Enfin, au revoir. Bon, il n'y a pas intérêt à ce que je tombe avec des... Ah bah enfin, je suis en haut de la liste. Ça fait plaisir. Donc ceux qui ont une icône de char marron, c'est de l'artillerie. Les blancs, c'est des chars légers, lourds ou moyens. Et les bleus, ce sont des chasseurs de chars.
Donc comme tous les jeux de wargaming.net, je vous les conseille parce qu'ils sont vraiment bien. Vous, à chaque fois que vous m'écoutez m'en plaindre, c'est parce que vraiment c'est. Moi je trouve que c'est vraiment relou de le fait que ce soit déséquilibré, mais à part ça vraiment c'est un jeu excellent. Hein. En même temps je suis un peu rageux. Rageur. Il va y avoir du rentre dedans. Mais bon, comme là moi je sais qu'il va y avoir que des chars plus faibles que moi. Je suis content, je peux me sentir, comment dire, moins fragile et je peux un peu plus foncer dans le tas, quoi. Ça, c'est par exemple, c'est un chasseur de chars allemand, ça. Et ça fait super mal. L'inconvénient, c'est que bah, le canon, il est que de devant, en fait. Il peut que bouger comme ça. Il a pas de tourelle. C'est ça le compromis. Mais c'est pas très résistant non plus. Je vais le prendre par le côté moi. Allez. Ah bah. J'ai peur de montrer et de me prendre un gros coup. Ah oui. Oh oui. Oh je lui ai mis un gros coup. Oh oui, il a raté. Merde, il y a un char là. Ah ça. Voilà, là je me sens mieux. C'est que des niveaux 6, 7, 5 même. Je me sens pas du tout désavantagé en mode contre des 8, contre des 8, des 9. C'est trop impossible. On va le voir, continue à tirer. Aïe. Putain, il a touché mon moteur. Je les tire. Ah, au secours, au secours, au secours, au secours, au secours, je veux pas qu'il me touche. Ouais. Véhicule ennemi hors de combat. Bah j'en profite pour réparer mon moteur sinon je suis trop lent. Voilà, là je suis plus rapide. Allez viens là, tant que je te mette une grosse prune dans ta tronche. What? What? Ouais, il vient de celui-là. Ils sont seulement touchés. Oh putain, c'est un IS-2. Oh non, putain, mais non, ils prennent un condo là. Oh, c'est quoi ça? C'est un KVO? Oula, pardon, j'ai fermé la fenêtre, c'est pas exprès. Oh. Bon, je vais vous laisser admirer la fin de la partie. D'accord. Ah oh, bah ça c'est moi. Non. Y'a pas un bon char là? Ah voilà. Bah tiens, bah c'est un comme ça qui m'a tué, je crois. Je suis pas sûr. Donc l'IS-2, c'est l'équivalent de l'IS chez les Russes. Parce que ouais, l'IS-2 c'est un char chinois. Parce qu'en fait, bah, les Chinois, ils ont repris le modèle. Ils ont pris l'IS russe, mais ils l'ont équipé avec leur truc. C'est pareil avec les Russes, l'aviation russe, ils ont repris les T-40 américains et ils ont mis des moteurs russes dedans. Bah, c'est début des P-40M russes. C'est pareil pour les chars. Canon principal endommagé, perte de précision. Par contre, on s'est fait juste violer quoi. On s'est fait violer. Quand on regarde ici, il n'y a que eux qui sont morts dans l'équipe ennemie alors qu'ici on est tous morts. Bon, et ben, les gens, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez des idées de tutoriels pour Cinema 4D, n'hésitez pas à me les demander. Et donc, salut!